Bon, pour les moments là, bon, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Bon, il faut me faire avancer vite parce qu'on était plein de gars déposés. Présence-moi là, c'est nous-mêmes au niveau parti politique et squad démocratique. Nous connaissons qui s'est passé dans la Banque nationale de crédit BNC. Nous connaissons qui va les cagottes qui gagnent dans BNC. Nous connaissons comment Raoul Pascal Pierre-Louis gaspiller l'argent qui est dans BNC. Nous connaissons tout gagotte, tout gabji administratif qui gagne. Dans ce sens, comme tout le monde voit BNC en faillite, côté Jodia, si vous avez un BNC, c'est 25 000 gouttes seulement capable de prendre, tellement Raoul et Pascal Pierre-Louis gaspiller l'argent. Et non seulement ça, conseil BNC a dysfonctionnel. Le conseil a 5 membres là-dedans, il y a 2 membres qui partent qui allaient à l'étranger. Eh bien, Raoul Pascal Pierre toujours a payé les gens. Tout ça est corruption. Ça veut dire que nous avons 2 ans dans le pays, oui, monsieur toujours a pris un copli et sorti chèque les gens normalement. Nous avons encore une bonne note de corruption. L'argent, BNC était gagné avec et Palais National, rapport était gagné ensemble. On copie qui était à environ 150 millions de gouttes pour acheter quelques bagailles. Raoul Pascal Pierre-Louis mangeait l'argent ça. Raoul Pascal Pierre-Louis, qui c'est président conseil BNCA, monsieur tellement, son voleur est intelligent, voleur tellement intelligent, ou comme ça monsieur fait, monsieur pressé à dire, oh, il a tellement de l'argent. Tandis que, si on compte pour ILC, c'est à mener enquête, c'est dans BNC, parce que son banque. C'est BNC qui fait faillite. Tout le monde connaît qui fait faillite. Côté comme si BNC est presque écrasé. C'est Raoul Pierre-Louis qui écrasé. Et bien, ça fait que je dis là, nous venons porter plainte. Non, l'ILCC là, regardez bien, nous ne venons pas porter plainte comme ça, non. C'est le parti politique et squad démocratique qui vient porter plainte. La presse, regardez, ça c'est accusé, non. Nous venons porter plainte. Nous venons porter plainte. Nous ne venons pas venir n'importe quelle organisation qui a fait show-off, ça nous fait. Nous venons avec le papier ministère de la justice ben nous, qui dit parti politique et squad démocratique sont partis qui reconnaissent. Nous venons avec encore et patente et squad démocratique. Patente et squad démocratique, côté nous payons 100 000 gouttes chaque année pour patente et squad démocratique. Nous venons avec tout bagaille DGI normalement. Ouais bien, ni fait squad démocratique. Nous payons tout bagaille. Ça veut dire squad démocratique, ce n'est pas une organisation qui nous porte plainte pour voler. Pour voler qui est le Raoul Pierre-Louis, qui vient crasser BNC, eh bien, pour pas venir mener enquête dans BNC, monsieur Courrier a dit comme ça, mes amis, et comme si son nez qui crédit. Eh bien, nous allons regarder bien, après ça, là, nous allons dans le cabinet d'instruction, n'importe quel tout côté pour monsieur. Alors, Jean, est-ce qu'on pense que la société a pensé que dans la démarche pour les réalités, nous connaissons que, nous ensemble avec Ariel, tout le monde sont dans la société à estimer que tout le monde a caché manger. Est-ce que là, on va penser que c'est. Pas oublier. Moi-même, j'ai choisi comme porte-parole conseil présidentiel. Ou après, j'ai commencé à travailler pour le conseil là déjà. Attendez, pas papier pour gagner. Bon, sous-père Marielle Henry, je n'ai pas papier comme porte-parole. Même j'ai trouvé travail, moi. Je choisis comme porte-parole. Eh bien, je vous dis, si le conseil est en danger, eh bien nous-mêmes nous toujours protégés pour nous. Depuis. Parce que le conseil là, l'on parle de conseil présidentiel là, les gagnants là-dedans, un ensemble d'organisations, un ensemble de partis politiques qui forment. Je vais tout dire ça, je dis là. Le conseil présidentiel là, crasé, je dis là. Ton est boulé, pays a chauffé. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez promosé? Eh bien, si vous n'avez pas promosé, il y a un sacabal gagné. Attendez, vous avez un sacabal gagné. Parce que, vous avez une mafia, vous avez un voleur, vous avez un nègre l'argent pétro-caribé, vous avez un nègre qui fait une classe de pays. Eh bien, je vous dis, regardez, pour qui raison? Attendez bien. Moïse Jean-Charles, c'est lui-même qui a été à l'an même qui est capable de mobiliser le pays. Claude Joseph, c'est lui-même qui est capable de faire manifestation dans le pays. Président Roger Algil lui-même, c'est lui-même qui a été à l'ancien Lavalas, qui est capable de secouer le pays, qui est mon avel. Les gens qui ont gardé, ouais, c'est pour organiser l'élection. Par exemple, le président Louis Gérard Gilles, vous connaissez son président, c'est lui-même qui va organiser l'élection. Eh bien, les gens qui veulent,
Nèg yo qui t'a aimé, yo pas t'a aimé, c'est président Vigier Gilles qui organise l'élection. Depuis là ça, yo commencé à faire pour bande à souquer pays à bande pour bande détracteur à écrit à gauche à droite contre conseil présidentiel là. Qui là Raoul Pierre Louis ça t'es honnête comme ça. Vous voyez ça nous dit, tenez bien pour ouais. M'a mentionné pour la presse dans plainte nouvelle déposée là. Éric François, membre ayant au moins 2 ans à l'étranger. Éric François, qui c'est un des 5 membres conseil et administration BNCA, il a 2 ans à l'étranger, mais voleur ben pour Raoul Pierre lui a toujours payé. Nous gagnons Guy-Marie Cazeneuve, vice-président ayant au moins 2 ans à l'étranger. Raoul Pierre lui toujours payé, malgré le pas là. Il parle bien, c'est le conseil la classe, oui. Le conseil a 5 membres, il y a 3 membres qui parlent là. Qui est l'autre membre? Yvika Pierre, directrice générale, qui s'est obligée de remettre sa démission longtemps sous la pression du présumé corrompu, M. Raoul Pascal Pierre. Ça veut dire, l'ancien membre, attendez bien, oui, l'ancien membre, il y a 3 membres qui parlent à dit tout. Le conseil là, n'est pas capable de faire. Eh bien, depuis là, ça, l'autre des membres, qui c'est Raoul Pierre lui, ensemble avec l'autre membre qui est Gabriel là, ils ont mis cette tête ensemble, ils ont fait. Capture administratif, après la CBNC, voler l'argent. Et bien, je vous dis à la BNC en faillite. Si BNC en faillite, premier côté pour ILCC à l'poté, à mener enquête, c'est dans BNC. Mais on n'est pas capable de voir, même voler ça. Si l'accusation contre le conseil président, BNCC déclenche une enquête. Pas rien pour sortir nos chers. Parce que, oui, c'est juste que nous avons besoin de classer le pays en façon pour obliger comme si vous n'avez pas. Monsieur, moi dis-nous ça. On est en train de mettre des Moïse Jean-Charles, on va mettre des Claude Joseph, on va mettre des Louis Angeli Pape Mambou. Nous, je dis à la ville et porter le ILCC, mais demain, si tu veux, nous connaissons ILCC à jouer, tant de ces. Eh bien, maintenant, il y a ILCC. Pendant l'attente des voleurs qui est le Raoul Pascal Pierre-Louis, eh bien, faut tout obliger ma rémission. Et nous demandons pour eux mettre interdiction de débat contre Raoul Pierre-Louis. Président conseil BNC, nous demandons pour eux mettre interdiction de débat contre lui parce qu'il faut qu'il y ait le CC, vienne mener enquête et nous allons déposer plainte dans la cabinet. Alors, est-ce qu'il y a le CC qui est là? Yo qui est au courant, yo courant, yo courant. Deux c'est mieux. C'est madame la fille là, monsieur. Madame la fille là, on va gagner. Monsieur madame la fille là. Chaque année, c'est un parti qui va à l'élection. Nous allons à l'élection. Vous déposez plainte. D'accord, mal déposé plainte là. D'accord, mal déposé.